Bonjour à tous et bienvenue à la WAX. On a l'honneur d'introduire cette conférence. Avec Gérald, on va vous parler d'un sujet d'industrialisation de microservices. Juste avant, je vais vous faire travailler un tout petit peu. J'aimerais savoir qui a un profil plutôt dev, développeur. Merci. Qui a un profil plutôt ops? Ok. Qui a un profil plutôt DevOps? Ok. Et qui a un profil plutôt manager? Ok. Vous êtes en minorité, les managers. C'est bien, ça. C'est bien. Ok. Donc, on va vous faire un retour d'expérience sur un projet qui n'est encore pas terminé, mais qui avance petit à petit sur l'industrialisation des microservices. On va commencer par se présenter. Donc, Gérald, software médical, architecte logiciel, on peut l'appeler couteau suisse aussi, car il fait du dev, de l'ops, voilà, un profil complet. Et j'ai la chance de travailler avec Gérald sur ce projet, et on va vous expliquer son rôle, et on expliquera le mien également. Et du coup, je suis accompagné de Ludovic Blas, Iki League, architecte logiciel et cofondateur d'Iki. Qui nous a accompagnés depuis maintenant, ça va faire quoi, 2-3 ans, ça fait un moment, ouais, 2 ans, ouais, et qui nous a accompagnés du coup sur ce projet. Pour vous donner un petit peu de contexte, d'abord, je vais vous parler du groupe Software Médical. On est un acteur du coup de la e-santé.
C'est un peu vague dit comme ça, mais en même temps, on intervient sur un large spectre de structures de santé, en commençant par les cabinets de radiologie. C'est un petit peu comme ça que Softway a commencé. Et puis après, les établissements de santé, donc cliniques, hôpitaux, EHPAD, et puis plus récemment, GHT, CHU. Et puis après, d'autres entités ont rejoint le groupe, qui nous ont permis aussi d'intervenir dans les centres médicaux, plus récemment dans la biologie. C'est intéressant à comprendre parce que du coup, c'est des clients qui ont des besoins souvent très différents. Donc on a besoin que nos solutions puissent s'adapter en fonction de tous ces besoins. Mais on y reviendra plus tard. Au-delà de ça, on a aussi eu une croissance très grande. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que Softway a une grosse croissance, aussi bien sur le marché, donc en chiffre d'affaires, mais aussi en effectif. Et c'est une croissance qui a amené une obligation de se transformer. Et pourquoi on vous parle de ça ? Parce que le projet qu'on va vous présenter participe à cette transformation, est issu de cette transformation et est géré dans cette transformation. Donc c'est ça qui est intéressant à comprendre. Et c'est une entreprise à forte croissance et c'est vraiment un contexte hyper intéressant. Et il y a du volume, donc il faut gérer ce volume, il faut gérer les compétences, les expertises, et c'est ce qu'on va tenter de vous partager aujourd'hui. Une autre chose à savoir sur Softway Medical, c'est qu'il intervient dans trois domaines. C'est un éditeur, mais également un intégrateur et un hébergeur. C'est assez rare sur le marché et c'est hyper précieux. Et le projet s'inscrit aussi dans ce cadre-là parce qu'on va voir comment, en fait, de l'édition, on va jusqu'à l'hébergement et comment ce projet-là facilite les choses pour aller dans ce contexte-là. Donc, Softway, si on prend l'organisation un petit peu, vous avez 34 squads. Ce qu'on appelle des squads, c'est des équipes fonctionnelles donc qui développent des produits ou des fonctionnalités ou des services. Vous avez des équipes transverses et 4 équipes infrastructures qui sont côté hébergement, supervision, exploitation, déploiement et de la conception côté infrastructure. Et les équipes transverses sont là pour aider les squads et faire un peu la transition entre les différents métiers. Vous avez à gérer également l'aspect transverse, parce que quand on est organisé en squad fonctionnel, on se focalise sur le fonctionnel, mais il y a tout l'aspect transverse à gérer, et ça c'est plutôt sous forme de guild ou de chapter, donc des structures transverses qui prennent des individus de chaque entité pour parler de problèmes un peu plus transverses. On va voir qu'on va en avoir besoin, parce que l'industrialisation est un projet transverse. Du coup, pour revenir un petit peu à la technique, on va se focaliser sur une partie de notre solution qui est un petit peu le cœur de ce qu'on propose. C'est un logiciel qui s'appelle Hospital Manager qui permet de gérer le dossier patient informatisé dans les hôpitaux. Il couvre un très large spectre. C'est d'ailleurs ce qui nous démarque un petit peu de la concurrence. C'est-à-dire que ça va de la prise en charge du patient jusqu'à la facturation, en passant par tout ce qui est médical, donc le dossier justement médical, de la prescription, etc. Donc on a un large spectre fonctionnel à gérer. Historiquement, c'était donc un monolithe écrit en Java. Je ne sais plus quand on a commencé, ça fait quelques années, hein, donc on a du legacy. Ça a grossi au fil du temps. Et il y a quelques années, on a commencé à rencontrer avec notre croissance un petit peu des questions de scalabilité. Comme je disais, on a plusieurs types de structures qui n'ont pas tous les mêmes besoins. Donc le monolithe, il embarque toutes les fonctionnalités, il grossit, alors que certains clients vont utiliser qu'une partie, d'autres clients une autre partie. Donc on manquait un petit peu de modularité, on avait des problèmes de scalabilité. De la même manière, on est obligé du coup avec un monolithe de mettre à jour tout le système quand on veut faire mettre à jour par exemple juste une partie.
On a des clients qui voudraient mettre à jour, par exemple, qu'ils attendent une évolution sur la pharmacie, et on est obligé de mettre à jour tout le système. Alors ça paraît trivial, on se dit, bah ouais, so what? Sauf que c'est des structures de santé, donc forcément, c'est toujours délicat pour eux de toucher au système. La moindre régression peut avoir des impacts très graves, et malgré toutes les pratiques de qualité, de tests automatiques qu'on peut avoir, c'est quand même un risque qui existe. Et donc la capacité de mettre à jour juste une partie du système, c'était quelque chose qui était précieux pour nous. Et une dernière chose aussi, quand un logiciel aide à la prise de décision pour un médecin, c'est considéré comme un medical device. Du coup, il y a une législation très forte qui est imposée sur le logiciel. Donc on avait besoin d'être capable d'isoler ces éléments du logiciel. Et c'est ce qui nous a amené il y a quelques années à faire une transition vers une architecture microservice. Et comme souvent quand on fait ce genre de transition, la conteneurisation est venue avec, et le déploiement du coup sur un orchestrateur de conteneurs. On a fait le choix d'OpenShift, qui est donc développé par Red Hat, qui était prod ready, et comme ça on a le support et le soutien de Red Hat si besoin. Pardon. Tu peux le... Ouais. Du coup, cette transition microservice est alignée bien évidemment avec notre organisation. Donc on a des squads fonctionnels qui sont responsables d'un pan fonctionnel et donc de services qui l'englobe. Et on a voulu mettre l'accent sur l'autonomie de ces équipes. C'est un des intérêts aussi des orchestrateurs de conteneurs, hein, c'est-à-dire que c'est facile de faire de l'infra as code, et donc même des équipes de développement qui n'ont pas forcément à la base les compétences ou le temps de faire de l'infrastructure sont capables, en toute autonomie, déployer leurs services et donc d'aller beaucoup plus vite quand ils font des évolutions et jusqu'à la mise en prod. Donc nous, notre code est hébergé sur une instance privée de GitLab, donc on utilise les GitLab CI/CD, et les équipes mettent à jour sur notre SaaS en continu ou à la demande leurs services lorsqu'il y a des évolutions. On a commencé avec, quand on est passé au microservice, avec un seul cluster hébergé chez nous, et alors qu'on avait des clients qui avaient des instances d'hôpital manager chez eux. Donc, soit parce qu'ils ont l'habitude de gérer leur infrastructure, soit parce qu'ils sont peut-être loin de nos data centers, peu importe la raison. Pour les microservices, on a commencé seulement hébergé, et les clients qui avaient des services, qui avaient besoin de certains services qui sortaient en microservices, les consommaient dans notre data center en gardant Hospital Manager chez eux. Au fur et à mesure que le temps est passé et qu'on a développé de plus en plus de services containerisés, certains clients ont commencé, gros clients, ont commencé à vouloir avoir OpenShift chez eux pour gérer l'intégralité de leur système. Ou alors on a eu aussi des contraintes par exemple géographiques aussi, de la Polynésie, du Canada, qui fait que les latences nous imposaient d'avoir des clusters là-bas, ou même de la gouvernance de données. Donc on a commencé à avoir de nouveaux clusters locaux qui sont arrivés. Et c'est vrai qu'on entend souvent parler de microservices dans le contexte SaaS, ça s'y prête très bien, mais aller déployer du microservice chez des clients, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Et on n'a pas beaucoup de retours d'expérience de l'industrie là-dessus, donc au début, ce sont les équipes n'avaient pas forcément le temps de s'occuper de ces premiers déploiements, et puis il y a des contraintes d'accès, forcément. On est dans la santé, tout le monde ne peut pas aller se connecter sur l'infrastructure d'une structure de santé n'importe comment. Donc c'est les ops au début qui sont venus récupérer les templates, on utilise les templates OpenShift pour déployer, récupérer les templates et puis aller faire les déploiements à la main en travaillant avec les équipes main dans la main, comprendre quels étaient les bons paramètres à faire, etc. Ça a bien répondu aux besoins au début, mais on a assez vite vu les limites de ça au fur et à mesure qu'on avançait, de plus en plus de clusters, etc. Et donc on en arrive à pourquoi l'industrialisation des microservices, pourquoi ça ne nous suffisait pas ce mode de fonctionnement. Le pourquoi, Gérald en a déjà donné quelques lignes, c'est déjà les clients qui voulaient héberger leur OpenShift local, donc ces clients fallait répondre à ce besoin-là, et d'un point de vue business c'est important de répondre aux clients.
Il y a également des aspects techniques, comme la latence, par exemple, quand vous êtes en Polynésie et que vous adressez à des services qui sont hébergés dans l'Hexagone. J'ai oublié le terme, mais ça va me revenir. En métropole, merci, c'est ça que je cherchais. Voilà. Donc, y a des phénomènes de latence et ces phénomènes de latence, potentiellement, on peut les gérer en installant un OpenShift local. Et cet OpenShift local, faut le gérer. Et c'est ça la naissance de l'industrialisation des microservices. Et il y a aussi la facilité à opérer ces clusters. Qui facilite les opérations techniques, qui assure des opérations techniques. Donc, c'est pour ça que le projet d'industrialisation est né. Alors, juste avant d'aller dans les détails techniques, il nous a paru assez important de vous partager comment on s'est organisé chez Softway pour faire cela. En fait, on a monté une équipe DevOps éphémère. Ce qu'on appelle éphémère, c'est qu'elle n'a pas vocation à rester dans le temps, cette équipe. Ça veut dire que dans l'esprit, on veut que les squads montent en compétence sur l'industrialisation des microservices et qu'après, la responsabilité du microservice et de son industrialisation reste dans les squads. Pour autant, les squads n'ont pas forcément le temps de se focaliser sur cette technique de mise en place de l'industrialisation. Donc on monte une équipe éphémère qui va permettre de faciliter les choses et qui va passer la connaissance et qui va travailler avec les équipes pour que les équipes montent en compétences. Donc pour ça, en fait, évidemment, on a eu un sponsoring du management, également des métiers qui étaient concernés parce qu'ils avaient des problématiques à résoudre sur le terrain, ils ont des clients en face. Et on a besoin de personnes de squad. Donc à chaque fois qu'on forme une nouvelle squad, on embarque les personnes, une ou deux personnes de la squad, pour former une industrialisation. On a besoin des ops, de l'expertise un peu externe d'architecture ou ce genre de choses. C'est par exemple pour ça que Gérald est dans cette équipe. Un peu de coaching pour gérer un peu l'ensemble des interactions, parce qu'il y a beaucoup de gens à l'extérieur qui peuvent être d'autres experts dont on a besoin, par exemple des experts OpenShift dont on va avoir besoin, le support client qui va être aussi à former, parce qu'il y a un support 24/7 chez Softway et il peut y avoir des choses à leur fournir pour que ce support se passe bien quand les équipes ne sont pas présentes. Et enfin, il y a également les clients à gérer, puisque les clients ont des infrastructures locales et il va falloir intervenir avec eux. Alors, en termes d'organisation du projet, souvent les squads sont organisés sur des sprints de 15 jours en mode Scrum. On n'a pas fait ce choix-là parce que, en fait, on est une petite équipe. On a géré plutôt sous la forme de Kanban parce qu'on voulait avoir de l'impact et donc on gérait un impact à la fois. Et quand cet impact était terminé, ça tombe pas forcément sur un sprint, mais une fois qu'il est terminé, on passe au second impact. Donc on a un suivi hebdomadaire. Et on avait aussi une particularité, c'est que les gens ne sont pas dédiés à cette équipe. C'est-à-dire qu'on travaille un ou deux jours par semaine. Au début, c'était deux jours parce qu'il y avait pas mal de choses à mettre en place, mais on ne pouvait pas libérer l'ensemble des expertises à temps plein. Donc ce qu'on a fait comme choix, c'est un choix intermédiaire. On a dit on travaille deux jours par semaine au départ, et maintenant on est plutôt sur un rythme de un jour par semaine, puisque... En fait, on forme des équipes. S'il y a des besoins particuliers, qu'une squad se libère, par exemple une semaine, on va essayer de libérer les experts pour accompagner la squad correctement. Mais généralement, le rythme, c'est un jour par semaine et on fait un suivi hebdomadaire. C'est à toi. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans la technique. Et ça, c'est plutôt le domaine de Gérald. Du coup, une fois qu'on a monté cette équipe DevOps, on s'est un petit peu tous réunis et on s'est dit, qu'est-ce qu'on a comme option en fait ? Donc on a commencé à essayer de rédiger un ADR. Pour ceux qui ne connaissent pas, un ADR, c'est un Architectural Decision Record. Rien de bien fou, hein, c'est un document. Le but, c'est de capturer en fait tout le contexte actuel, le problème qu'on essaie de résoudre.
les drivers qui vont nous permettre de faire un choix, par exemple l'autonomie des squads, la facilité de déployer, des choses comme ça. Et on va lister les différentes options qu'on voit, et on va peser les avantages et inconvénients de chacune. Et une fois qu'on sait déjà, rien que ça, cette démarche déjà nous permet, nous aide à faire un choix, parce qu'on met tout sur tout à plat. Et une fois qu'on a fait un choix, eh ben on va le consigner dans ce document, et ça garde une trace du coup pour le futur, pour les autres personnes qui sont pas dans le projet, qui permettent de comprendre pourquoi on a fait le choix qu'on a fait, avec tous les éléments de contexte, et qui permettront de le challenger dans le futur peut-être, en se disant « Ah, bah là, il y avait un élément de contexte qui a changé, et qui justifie qu'on fasse un autre choix ». Où ça permettra de comprendre que bah, aujourd'hui, il existe, enfin, dans 2 ans, il existera une option qui n'existait pas à ce moment-là, et donc on pourra remettre en cause ce choix. Donc c'est un outil très fort. En faisant ce travail d'ADR, on s'est rendu compte en listant les options que c'était un chouïa compliqué, parce qu'en fait on avait une combinatoire de 2 choses dans les choix. Il y avait la méthode de déploiement, et il y avait en fait un petit peu le packaging. J'aurais d'ailleurs peut-être pu faire d'abord le packaging. Ouais. Sur le packaging, nous, ce qu'on utilisait jusqu'à maintenant, c'était le template OpenShift. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le template OpenShift, parce que ça n'existe pas sur Cube, c'est une custom ressource, un objet qui permet de variabiliser des templates Kubernetes et du coup de les déployer. Hein. On applique un template et ça va aller déployer les différentes ressources après avoir remplacé certaines valeurs en fonction des paramètres qu'on a fournis. C'est une première étape qui permet de variabiliser un peu les choses, qui est un peu plus friendly que du customize par exemple. Une autre qui est maintenant considérée, je pense, comme un incontournable un petit peu de l'écosystème Kubernetes, c'est Helm. Donc Helm, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un peu un package manager pour Kubernetes. On va packager notre application et le code qui la déploie à l'intérieur d'une charte Helm, et ça va permettre facilement de déployer l'application sur un cluster Kube. Et le troisième, c'est l'opérateur. L'opérateur, ça va... Alors, j'ai pas précisé que Helm déjà va un peu plus loin que le template. On peut avoir du flow control dans des chartes Helm, donc du conditionnel, des boucles, etc. Donc c'est un outil déjà un peu plus puissant, mais plus compliqué à écrire qu'une charte. Et l'opérateur, ça va encore plus loin, mais forcément c'est encore plus compliqué à mettre en place. On étend avec un opérateur carrément le comportement de Kubernetes en fait. On crée des custom ressources, on écrit des contrôleurs. Et l'avantage de ça, c'est qu'on peut avoir des choses qui réagissent au runtime. Si une application a besoin, quand il se passe quelque chose sur le cluster, de lancer des actions, avec ce pattern, on est capable de le faire. Ce qui n'est pas le cas avec Helm, où on va lancer quelqu'un ou quelque chose d'automatisé qui va lancer une commande depuis l'extérieur à un moment T. Avant d'être sur les templates OpenShift, on a fait le choix de passer à Helm. On n'a pas exclu l'opérateur, c'est pas le choix de facto, parce que c'est plus complexe et ça répond à certains besoins particuliers. Donc l'opérateur n'est pas exclu, mais c'est pas le choix de base, c'est si on en a besoin. Et pour revenir au déploiement, super, merci. On avait imaginé plusieurs choses. Alors déjà, vous voyez qu'il n'y a pas la CI/CD comme on l'avait jusqu'à maintenant pour le SaaS. La raison étant que les systèmes d'information structure de santé ne veulent pas qu'on se connecte directement dans leur système depuis les nôtres. Ce qui est tout à fait entendable hein, pour des raisons de sécurité. Donc la contrainte, c'était que le flux soit sortant de chez eux, mais que nous, on n'ait pas de flux entrant. Donc forcément, on ne peut plus faire de la CI/CD qui va se connecter chez eux pour aller déployer. Ça aurait été pratique, mais on ne peut pas. Du coup, on a imaginé plusieurs choses. Un premier, c'était qu'on avait commencé un petit peu à mettre en place d'ailleurs, hein, c'était d'avoir un trigger sur un image stream. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas les image streams, parce que c'est pareil, c'est un objet OpenShift, un image stream, c'est une custom ressource qui représente une image dans le cluster en fait. Et donc c'est un pointeur vers une image qui peut avoir plusieurs tags. Et on est capable, par exemple, dans un deployment config, de lui dire quand il y a un nouveau tag dans l'image stream, redéploie et déploie ce tag. Du coup, ça marche bien, hein, c'est intéressant. Le problème de ça, c'est que si l'application a évolué et a besoin de nouveaux paramètres, par exemple, pour fonctionner, ça va mettre à jour, ça va redéployer avec l'image la plus récente, et peut-être que ça ne va pas marcher parce qu'en fait il y a eu des changements de paramètres qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'application. Une autre option, c'était la charte Helm, mais avec de la documentation.
C'est ce que nous, en tant que développeurs, on a souvent l'habitude si on, quand on déploie des chartes Helm. C'est-à-dire qu'on va en trouver une, je ne sais pas, sur GitHub ou sur le vendors de, je ne sais pas, par exemple, HashiCorp, si on veut installer du Vault ou quelque chose comme ça. On va aller chercher la charte, on va aller voir la doc, on va voir qu'est-ce qu'il faut remplir comme paramètres, et puis on va faire 2-3 essais, on va réussir à déployer. Ça marche. Les clients, nos clients qui ont eux-mêmes des clusters, ils ont des personnes compétentes éventuellement pour le faire. On voit bien par contre que bon, c'est pas forcément idéal, il faut le faire, il faut le maintenir, et plus il y aura de microservices, plus ça va être compliqué à faire, d'autant plus que du point de vue des squads, c'est facile de déployer leur système, leur microservice, elles le connaissent, elles savent quels paramètres enseigner, pourquoi. Pour quelqu'un de l'extérieur, même avec de la documentation, c'est pas trivial. Et enfin, le dernier pattern qu'on avait identifié, c'était Argo. Alors, il n'y a pas que Argo, hein, y a d'autres logiciels qui font un peu la même chose, tels que Flux. Comment Argo, ça fonctionne ? En gros, c'est un logiciel qu'on installe sur le cluster OpenShift, ou Kubernetes. Et dans Argo, on va créer une application. Donc, c'est un objet, en fait, hein, dans Argo, qui représente l'application qu'on veut déployer. Et on va lui dire, et donc le rôle d'Argo, c'est d'aller déployer cette application. Et on va lui dire, eh ben, là, tu as un repo Git. Tu vas trouver dedans par exemple une charte Helm, un fichier de valeurs qui représente les valeurs que tu dois mettre, et vérifie si tu es toujours à jour avec ça et déploie-le. Alors après, la synchronisation, c'est paramétrable, il peut y avoir de l'autoréparation, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il passe, il va voir si quelqu'un a changé une ressource à la main, et il va le remettre, etc. Mais le principe de base, c'est ça, c'est il va aller lire un repo Git et il va aller appliquer ce qu'il va y trouver. Pour recréer cet état dans le cluster. Du coup, à quoi ça ressemble un petit peu ? Donc voilà, comme je disais, nous on a fait le choix de packager en Helm et d'utiliser Argo pour déployer. Donc ça ressemble un petit peu à ça. On se retrouve avec un repo Git, là par exemple on en a un où c'est tribu prescription. Donc il y a un pattern app of apps qui est un pattern Argo. Où en fait, vu qu'on veut tout gérer as code, cette application, qui est une notion Argo CD, c'est une custom resource en fait, qui va définir ben, l'application qu'on veut déployer, le repo Git, où elle va trouver les infos, les values, etc. Et ben, on va le décrire comme des ressources cubes elles-mêmes, comme ça, ça va aller créer dans Argo CD ces objets, et chacun de ces objets, eux, vont aller retourner dans un repo Git. Là, on l'a mis dans le même, mais ça pourrait être un repo Git différent, pour qu'il aille retrouver sa charte Helm et son fichier de values. Et à partir de ça, il va aller créer dans le cluster les différentes ressources qu'il doit aller créer. Et bien évidemment, depuis la CI des projets, on va aller pousser les différents artefacts, donc la charte Helm, les images Docker, etc. Pourquoi on a fait deux repos à part et ce n'est pas directement le repo du microservice qui va être polé par l'Argo CD. En fait, tout simplement parce qu'il y a notre code source dedans, c'est une info sensible, aussi bien pour de la sécurité que pour la propriété intellectuelle. Donc ça voudrait dire que techniquement, les clusters de nos clients sont capables d'aller récupérer le code source, et bon, c'est toujours pas une bonne chose. Donc il y a juste une indirection en fait, et ça veut dire que dans le repo qu'Argo va poller, il y a une charte Helm qui dit juste j'ai une dépendance sur la charte Helm du service, et voilà mes values, et c'est juste une indirection en fait. Donc ça c'était le choix qu'on a fait. Comment on s'y est pris pour la mise en place? On a commencé, je pense comme tout le monde fait ici, hein, on commence par un POC. On n'a pas voulu faire un POC de juste un projet bidon pour voir que ça marchait. On se doutait bien que ça marchait. On a voulu prendre du vrai feedback, donc on a choisi un premier service. C'est un service qui a besoin d'être mis à jour très régulièrement, en plus toutes les semaines, c'est une base médicamenteuse. Et donc du coup c'est un service très critique aussi. Et forcément pour les clusters locaux, aller faire des mises à jour aussi fréquentes à la main, c'était compliqué. Et on a choisi un premier cluster aussi sur lequel on voulait le déployer, qui est un cluster client qui n'était pas encore tout à fait en production, c'était en cours de mise en place. Du coup c'était un peu le candidat parfait.
Et une autre information, c'est que l'équipe qui gérait ce service-là était disponible aussi pour intégrer l'équipe qui faisait le POC. Et donc, les référents techniques de cette équipe étant disponibles, on a fait, ou se sont rendus disponibles, parce qu'ils ne sont pas disponibles comme ça, c'est plutôt se sont rendus disponibles, et on a pu faire ce premier POC. À la fin du POC, quand on a vu que ça fonctionnait bien, on s'est concentré un peu sur la généralisation et on a tenté de définir une stratégie de généralisation. Alors une stratégie, c'est un bien grand mot, on reste pragmatique, on a juste identifié les options qui s'offraient à nous pour pouvoir généraliser, et c'est ça qu'on a appelé stratégie. Donc dans les options qui s'offraient à nous, il y a les opportunités business. Donc est-ce qu'il y a des clients sur lesquels on est, où il faut déployer, est-ce que c'est intéressant d'aller déployer chez eux et d'industrialiser les services qui sont à déployer. Les services eux-mêmes qui sont déjà installés sur des clusters locaux, qui ont déjà été installés à la main par l'infrastructure ou aider des squads, mais qu'on veut industrialiser, donc ça c'est l'aspect service. Les sites locaux, est-ce qu'on continue sur le site où on était, on finit le site où on était et on passe à un autre. Et enfin, comme je vous l'ai dit, c'est une équipe éphémère, donc il y a la formation des référents aussi. Donc est-ce qu'on changeait d'équipe? Dans un premier temps, le choix qui a été fait, c'est on a pris deux axes. On a pris l'axe de dire on va faire un deuxième service un tout petit peu plus complexe sur le même cluster pour voir ce qui se passe avec la même équipe et puis pour voir si l'équipe est complètement autonome, l'équipe des référents, et si ce qu'on a passé comme information et le coaching qu'on a fait était suffisant. Donc on a vérifié ça. Et on a aussi déployé le premier service qu'on avait sur un autre cluster local, ce qui nous a permis de prouver qu'on était capable, de, sans trop d'efforts, de déployer sur un autre cluster local. Et c'est comme ça qu'on a finalement qu'on a commencé à généraliser. Donc au niveau du coaching, on a également mis à disposition des docs pour les squads, c'est ce qu'on appelle le Getting Started, qui permettent aux squads de s'approprier la manière d'industrialiser le microservice. Généralement, les référents dans les squads, ce sont les tech leads, mais ça pourrait être d'autres personnes également, mais généralement, c'est avec les tech leads qu'on crée les référents. Je crois que j'ai à peu près fait le tour au niveau stratégie. Donc sur les résultats qu'on a obtenus, en fait, on voit que les mises à jour sont sûres et rapides. C'est-à-dire que quand on met à jour les microservices, là, on a un microservice qu'on met à jour toutes les semaines, et en fait, ça facilite grandement la mise à jour. Donc on a obtenu ces résultats-là. On ne monopolise plus une personne, la disponibilité d'une personne pour faire cette mise à jour. On est à peu près certain que les sites locaux qui sont sous l'industrialisation sont à jour. Et enfin, les équipes applicatives, donc les squads, sont autonomes sur la mise à jour de leur service et ne dépendent plus de personne pour mettre à jour. Ce qui permet aussi, d'un point de vue métier, quand on a une nouvelle fonctionnalité activée ou un nouveau service, s'il est industrialisé, on le fait en très peu de temps, alors qu'avant, il fallait monopoliser et synchroniser plusieurs équipes. Et c'est ça le gain qu'on obtient. Alors, tout n'est pas parfait. On n'a pas fini de former les référents. Néanmoins, au niveau des référents, si on les prend par équipe, on voit que on a une dizaine d'équipes formées sur les 35. Par contre, si on regarde au-dessus des squads, on a ce qu'on appelle des tribus, donc c'est des regroupements de squads. Là, on est à 7 sur 10, donc on a quand même pas mal de référents au niveau des tribus. Et il faut savoir que toutes les squads n'ont pas aujourd'hui des microservices à gérer, donc c'est pour ça aussi qu'il y a une petite différence. Et on est à peu près à la moitié, enfin une vingtaine de microservices industrialisés sur une cinquantaine. Et encore, sur les 50, ils ne seront peut-être pas tous à industrialiser dans l'écosystème, puisqu'ils ne sont pas tous déployés sur les sites locaux.
Donc, si on regarde les next steps, ce qu'on a à faire, c'est finir l'industrialisation au niveau des services, surtout ceux qui sont déployés sur les sites locaux. On a également à continuer l'évangélisation au niveau des squads. Et je peux peut-être te donner la parole pour l'observabilité. Un autre aspect très important du run, du coup, dont on n'a pas parlé, c'est l'observabilité. Parce que, voilà, comme on disait, c'est des environnements où il est compliqué d'aller se connecter. Et quand on va mettre à jour un service sur 10 clusters juste en un commit, on n'a pas envie de tout casser et on veut s'en assurer. Donc il y a un gros enjeu d'avoir du feedback, de savoir si ça s'est mis à jour partout, si c'est synchronisé, si l'application est fonctionnelle, etc. Du coup, c'est des travaux en cours, main à main avec l'infrastructure qui s'occupe souvent d'aller déployer les clusters ou de les opérer chez les clients, les clusters OpenShift. Du coup, là, on est en train de faire remonter les données Prometheus de tous les clusters chez nous. Et donc, ça va nous permettre de mettre en place le nécessaire, que ce soit de l'alerting ou des dashboards, etc., pour avoir ce feedback instantané quand on met à jour un service partout, de s'assurer que tout fonctionne et que tout s'est synchronisé. Y a un aspect impact client aussi, parce que forcément, nous, ce qu'on préconise, du coup, c'est que la synchronisation soit automatique. Donc ça veut dire que quand une squad a fait une release d'un nouveau service, d'un microservice, pardon, elle va aller le déployer partout. Et on sait que ça marche si tout le reste est aussi dans la dernière version. C'est comme ça qu'on teste l'intégration de nos services. Si tout est à jour, on sait à peu près que ça marche parce qu'on l'a testé. Si maintenant un client décide de lui faire les montées de version quand il a envie, parce qu'il peut, avec Argo, il peut couper la synchronisation automatique et lui cliquer quand il veut se mettre à jour. À ce compte-là, nous, on ne peut pas forcément garantir que ça va fonctionner. Ça devrait, on fait de l'API REST, les API sont versionnés, donc il y a de la rétrocompatibilité, etc. Mais il peut y avoir peut-être de la donnée qui n'est pas présente parce qu'un autre service dont le microservice dépend n'est pas à jour, etc. Donc il va falloir un petit peu qu'on découvre ça au fil du temps et qu'on cadre potentiellement ces règles en fait avec les clients. On l'a pas mis, mais une autre chose sur laquelle on travaille actuellement aussi, pour sécuriser les déploiements, ça concerne plus le SaaS, mais ça pourrait aussi concerner les déploiements locaux. Ça va être de mettre en place de l'A/B testing ou alors du Blue Green, en tout cas de pouvoir avoir deux déploiements d'un même service dans des versions différentes et de router le trafic petit à petit. Et nous, c'est pas forcément du pourcentage du trafic qu'on voudrait router, mais ça va être client par client. Donc voilà, c'est des travaux en cours pour la suite. Et oui, du coup, on parlait des impacts clients, mais ça peut avoir un impact contractuel. Parce que forcément, si le client nous appelle parce que quelque chose ne marche pas comme il est censé fonctionner, et que c'est parce que ses services ne sont pas à jour, on ne va pas passer forcément des heures et des heures à investiguer pourquoi ou à faire des fixes alors qu'il faut juste se mettre à jour. Donc voilà. Et du coup, je pense qu'on a terminé. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Merci beaucoup, c'était très intéressant le retour d'expérience. Moi, j'avais une question concernant les secrets, comment vous les avez gérés? Est-ce que vous les avez mis dans Git ou un Vault? Ouais, très bonne question, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, ça fait partie encore des travaux en cours. Pour l'instant, il n'y avait pas de secret important, donc tout est dans Git, mais Argo CD permet d'utiliser Vault pour aller chercher les secrets. Et on déploie déjà du Vault en fait pour stocker des secrets fonctionnels. Donc on envisage de se servir de Vault pour que si les déploiements ont des secrets, ils soient dans Vault et pas effectivement dans du Git accessible à tout le monde. Ce serait pas acceptable. Oui, j'avais
C'est ici. J'avais une question sur est-ce que les clients vous demandent d'avoir certaines spécificités qui peuvent leur être propres ? Et dans ce cas, si c'est le cas, comment vous gérez cette industrialisation-là ? Alors, il y a des spécificités par client, potentiellement. Par exemple, ça peut être de la configuration pour des flux sortants du cluster, il peut y avoir des proxys, etc. Donc ça se passe par de la connaissance en fait de chaque client, et du coup ça doit se refléter dans les values. Pour l'instant c'est de la documentation, c'est-à-dire que on sait que tel client, si on veut que notre microservice sorte sur internet, il faut configurer tel proxy, etc. Donc voilà ce qu'il faut mettre dans les valeurs. Donc c'est un peu du standard. Après on envisage potentiellement en fonction des besoins, il serait possible de faire un opérateur en utilisant les mutating webhooks pour aller injecter automatiquement certaines spécificités du client si nécessaire dans les déploiements. Mais on n'a pas eu un besoin assez fort pour le faire. Merci pour la présentation. Moi j'ai une question par rapport aux microservices déployés sur les clusters. Il s'agit des microservices stateful ou stateless. Si c'est stateful, quel type de stockage est utilisé sur les clusters ? Merci. Alors aujourd'hui, on essaye principalement de faire du stateless. Enfin, de toute façon, c'est toujours ce qui est préconisé en microservices. Le seul stateful qu'il peut y avoir aujourd'hui, c'est Volt, effectivement, qui est déployé. Et par contre, le stockage sous-jacent, c'est celui d'OpenShift. Alors, je ne saurais pas dire exactement. Avant, c'était du Ceph. Maintenant, je ne sais pas trop quelle est la techno qu'ils utilisent. Mais c'est toujours du Ceph. Ouais. J'ai une petite question autour du... Vous avez beaucoup parlé sur l'automatisation du déploiement des microservices, mais sur la partie drift des configurations sur les clusters en tant que tel. Comment vous le gérez ? Vous assurez que chacun de vos clusters sont à l'identique, qu'il n'y a pas d'impact sur vos microservices, etc. Alors, c'est une bonne question. Aujourd'hui, la plupart des clusters locaux qui sont en production sont opérés par nos soins. Donc, c'est comme ça qu'on nos équipes infrastructures garantissent que ils se ressemblent tous, ils soient tous configurés à l'identique, etc. C'est nous qui gérons le déploiement de tous les opérateurs de management day two des clusters, etc. Et d'ailleurs, on demande à nos clients d'être sur OpenShift. On n'accepte pas de déployer sur du Kubernetes. Et c'est important, justement, effectivement, c'est que on sait que ça marche parce que partout on a le même socle, la même plateforme, donc on construit sur la même chose et on sait que ça marche. Après, il y a des clients qui envisagent peut-être d'aller dans du cloud. Donc sur des choses qui sont un peu différentes de nous, et là on verra quand on y sera, mais et ça fait partie potentiellement des impacts dont on parlait tout à l'heure avec les clients, c'est-à-dire que peut-être que contractuellement il va falloir dire ok, il faut se maintenir à jour sur OpenShift selon tel rythme, sinon on ne peut pas garantir que ça marche. Ça on va voir au fur et à mesure qu'on avance dans le pattern, quoi. Ok, merci. Et une deuxième question, en fait on a parlé tout à l'heure stateful, stateless. Vous avez parlé de base de données quelque part, puisque vous avez quand même des référentiels médicamenteux, là, ce que j'ai compris. En fait, sur quoi c'est hébergé Alors, en l'occurrence, le référentiel médicamenteux, c'est pas de la base de données qui bouge au fur et à mesure que l'utilisateur va utiliser l'application. Donc ça peut être, au final, c'est du stateful, mais qu'on considère comme du stateless, parce qu'on le déploie, et puis c'est de la donnée qu'on recrée, en fait. Par contre, effectivement, il y a des bases de données pour nos microservices. Ceux-là, par contre, on ne les a pas mis dans le cluster aujourd'hui. Alors, je pense qu'on va avoir des travaux dans le futur pour garantir qu'on soit capable de backuper, de restaurer la partie stateful d'OpenShift, et donc pouvoir peut-être un jour déployer nos bases de données dans OpenShift. Aujourd'hui, ça reste sur des VM à part. Et donc ça, encore une fois, c'est nos services d'infrastructure. C'est un des avantages, effectivement, d'être nous-mêmes hébergeurs. C'est que quand on arrive chez d'autres hébergeurs ou chez des clients qui ont leur propre infrastructure et qu'on dit il faut une Mongo, il faut ci, il faut ça, on est capable de travailler avec eux et de leur fournir la méthode de déploiement qu'on a chez nous, leur fournir la configuration qu'on a chez nous. On les laisse pas livrer à eux-mêmes à devoir découvrir comment paramétrer leurs choses. Et c'est là où on trouve vraiment la force d'être nous-mêmes hébergeurs, c'est que on a la connaissance pour le faire, et donc on les accompagne pour aller déployer les dépendances niveau base de données, etc.,
chez eux en fonction des services dont ils ont besoin. Ouais. Merci pour ce Rex, très intéressant. À la vue de l'architecture que tu as présentée, j'ai l'impression qu'il y a une porte ouverte pour une question supplémentaire qui est le routage des flux pour backupper, tu sais, un hôpital donné vers ton système central ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est une piste que vous avez envisagée ou vous ne souhaitez pas aller ou vous considérez pour l'avenir, quelque chose comme ça? C'est-à-dire, tu parles de, vu qu'on ouvre le flux, on pourrait aller récupérer la donnée, c'est ça, pour avoir chez nous une copie. Vu que tu déploies le même potentiellement microservice dans la même version sur ton système central ou en tout cas sur plusieurs sites, tu pourrais te poser la question potentiellement de si jamais telle infrastructure tombe, je peux backupper sur un autre site. Je peux backupper le flux sur un autre site pour lui répondre quand même. Ouais, alors oui, effectivement. Hein. D'ailleurs, on a pour certains clients, ils veulent aussi du PRA. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un cluster de prod et un cluster de PRA. Et du coup, on déploie la même chose des deux côtés. Et par contre, la réplication de la donnée, elle se fait selon d'autres mécanismes. Si on déploie juste le service, ça ne va pas fonctionner. Hein. Mais effectivement, une des forces de ça, c'est qu'on peut déployer sur plusieurs clusters la même chose facilement. Soit en continu, si c'est vraiment du PRA prêt à faire, ou s'il y a un truc qui tombe, on peut redéployer ailleurs facilement, tout est déclaratif, et donc on sera capable de remonter la chose si on a des backups de la donnée, ce qu'on a bien évidemment. Donc effectivement, c'est quelque chose qui a été envisagé, et ça fait partie des forces aussi de tout ça. Ouais. Ok, merci. On aura le temps pour une ou deux petites questions. Ouais, vous avez dit que le versionning de la base de données était sur une VM. Comment vous faites pour le versionning de la base de données, sa mise à jour en fonction de quel microservice émettre, pour s'il y a un liquid base ou autre, c'est quoi votre stratégie pour... Au niveau base de données, on a des backups journaliers, etc. Voire même des fois en continu. La mise à jour de la base de données, etc., effectivement, on a des documents qui nous permettent de savoir la compatibilité entre le service dans sa version avec la base de données. Et vu que, on l'a chez nous, c'est des connaissances que nos services infrastructures ont, et du coup, c'est facile de le répliquer dans les différents environnements. Je sais pas si ça répond à ta question. Process en évitant de supprimer une donnée d'un sprint à l'autre, mais s'il y a des données structurantes qui changent dans la base de données qui font que la base de données n'est pas compatible avec, ou des référentiels, des nouvelles données qui ne seraient pas stockées dans un YAML, mais plutôt sur la base de données, ou vraiment est-ce que vous l'évitiez peut-être de stocker des clés dans la base de données? Tu veux dire... Ouais, alors attends. Chaque service a sa base de données, hein, tout est bien cloisonné. Les squads savent, vu que c'est leur service et qu'elles sont en autonomie, elles savent en fait, entre guillemets, ce qu'elles font, j'ai envie de dire. Quand elles mettent à jour, elles savent que ça va être compatible et elles savent qu'il ne faut pas faire de rollback ou si elles peuvent pas. Fin... D'accord, donc c'est à la main, ils font au même moment où ils vont cliquer ou ils donnent des scripts qui vont être... Ça par contre c'est l'application qui va aller mettre à jour sa base de données toute seule. Hein. Quand il y a de la donnée qui change, c'est l'application elle-même qui va aller faire ses migrations. Par exemple, s'il y a 10 instances du microservice, il y en a une qui est primaire, après c'est liquid, vous utilisez, je suppose, des choses comme liquid base pour s'assurer que le microservice, s'il y a 10 instances du microservice, il y a une seule instance de la base de données pour ce même microservice. Sur les clusters locaux, non, parce que forcément chaque microservice va avoir sa base et ses schémas, etc. Et en SaaS, nos microservices sont multi-tenant, mais ils ont, on a une manière de cloisonner la donnée par tenant, et du coup, il est capable de gérer potentiellement pour chaque tenant son schéma. Et c'est lui qui fait ses migrations
de script et ça se passe bien. Enfin, en tout cas, on n'a pas eu de soucis pour l'instant. Merci pour votre présentation. On va devoir s'arrêter là, désolé. Donc, je vous invite à aller en discuter pendant les 15 prochaines minutes ou à midi. Donc il y a 15 minutes de pause et ensuite on enchaîne directement. Donc, dans 15 minutes pile poil, on lance la prochaine présentation. Merci. Merci beaucoup. Techno, peut-être avec des paramètres différents. La con, peut-être.